Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous verrons comment il est possible d'utiliser WhatsApp sans avoir un numéro de téléphone ou bien une carte SIM. C'est vraiment une application géniale qui va vous permettre, si vous n'avez pas encore, c'est-à-dire si vous êtes dans un pays que vous n'avez pas encore eu à retirer votre carte SIM ou bien vous n'êtes pas encore abonné à un réseau de téléphonie mobile, d'utiliser WhatsApp avec un numéro virtuel. Donc, c'est un site qui passe super bien et vous verrez que cette application, ce site, c'est vraiment le meilleur. Comme je le disais tantôt dans les précédentes vidéos, chaque soir nous aurons des vidéos pour passer une paisible nuit, que ce soit une vidéo de motivation ou bien de méditation. Donc chaque soir, à partir de minuit, vous verrez une vidéo de 2 heures, 3 heures afin de passer une paisible nuit. Il suffit juste d'écouter, vous verrez que vous allez passer une excellente nuit. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et aussi à partager la vidéo pour que tes amis aussi puissent accéder à cette interface. Comme je le disais, nous verrons comment il est possible d'utiliser WhatsApp sans numéro de téléphone. Imaginez que vous êtes dans un pays et vous n'avez vraiment pas de carte SIM. Alors qu'on sait, lorsqu'on veut créer un compte WhatsApp, on vous demande d'entrer un numéro de téléphone. Donc si vous êtes dans ce problème-là et vous ne savez pas comment il est possible d'avoir un numéro de téléphone, c'est tout simple. Vous allez vous rendre dans votre navigateur. Voilà, vous allez vous rendre dans votre navigateur et vous allez taper enligne-de6sms.com. Comme vous pouvez le voir juste en haut ici, enligne-sms.org. Et comme vous pouvez le voir ici, on vous dit recevez gratuitement des SMS en ligne vers un nouveau numéro de téléphone temporaire. Donc vous le voyez, vous avez jusqu'à 109 numéros que vous pouvez choisir. Donc vous allez venir où c'est marqué tous les pays ici et vous allez choisir le pays auquel vous voulez le numéro. Si c'est le Japon, les États-Unis, la Russie, voilà, il y a plusieurs pays, hein. Donc il y a le Nigeria même. On va voir s'il y a la Côte d'Ivoire dans ces pays-là. Je sais pas, on verra ensemble. S'il y a la Côte d'Ivoire, Italie, Croatie, voilà, il y a Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il y a un numéro. Donc vous appuyez sur Côte d'Ivoire. Et voici le numéro temporaire. Ça peut être aussi, pas forcément WhatsApp, hein, ça peut être aussi un autre site où on vous demande votre numéro de téléphone pour confirmation. Vous pouvez rentrer ce numéro-là et vous voyez 0779 et tout. Et quand vous appuyez dessus, vous allez voir que certaines personnes ici utilisent ce numéro-là pour faire des actions. Ici, ils ont utilisé il y a 2 semaines pour créer un compte Apple. Il y a d'autres, ici, c'était Discord, ici, c'était Instagram et tout. Voilà. Donc, veuillez regarder si quelqu'un n'a pas utilisé WhatsApp, vous allez pouvoir utiliser ce numéro-là pour créer votre compte WhatsApp. Et ici, on vous demande le numéro est-il occupé? C'est-à-dire, lorsque vous allez rentrer sur WhatsApp et vous allez mettre ce numéro-là et on va vous dire que quelqu'un a déjà utilisé, vous pouvez venir tout simplement appuyer sur ce numéro est occupé. Vous voyez, ce numéro est-il occupé? Le numéro est-il occupé au bon service? Profitez de numéros de téléphone individuel pour vous inscrire pour tous les sites au prix de à partir de 0, même pas 1 centime. Vous voyez, vous pouvez prendre 0,1 centime, 0,1 USD pour avoir votre numéro de personne, numéro de téléphone privé. Ou vous, si vous allez pouvoir utiliser, vous voyez, c'est moins même de 1 centime. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs pays. Hein. Moi, j'ai choisi juste la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a plusieurs pays. Il y a le Ghana et tout. Voilà, il y a le Ghana, il y a l'Italie, la Suisse et tout. Donc, vous pouvez utiliser ces numéros-là pour créer votre compte WhatsApp super facilement. Voilà. Pour créer un compte, donc, si vous voulez être en France ou bien en Allemagne, ça dépend vraiment de vous. Vous voyez, quand on vient par exemple dans Taïwan, par exemple. Voilà, on voit qu'il y a des numéros qui sont là que vous pouvez utiliser. Obtenez un numéro de téléphone temporaire pour recevoir des SMS en ligne sans inscription. Voilà, donc vous n'avez vraiment pas besoin de vous inscrire. Il suffit tout simplement de prendre le numéro et de le mettre sur WhatsApp et on vous dira si ce numéro il est occupé ou pas. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas forcément WhatsApp, ça peut être d'autres applications, d'autres sites où vous avez besoin d'un numéro de téléphone pour valider. Voilà, vous pouvez utiliser ces numéros de téléphone-là pour valider, pour pouvoir les utiliser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.